Oui, j'arrive. Mets ton micro, s'il te plaît. Salut, une bête. Comment vas-tu? Qu'on m'entend. Les joueurs de la Juventus viennent de donner le coup d'envoi de ce match. Vous voyez apparaître la composition du Real Madrid. L'entraîneur a choisi d'aligner ses joueurs en 4-4-2 avec un milieu en losange. Ou en diamant, comme disaient les Anglais, qui ont plus d'argent. L'entraîneur confie donc les clés de l'animation offensive à son milieu offensif axial. La composition d'équipe de la Juventus de Turin. On découvre le positionnement des joueurs. C'est le 3-5-2 qui a été retenu aujourd'hui. Ben, j'espère pour l'entraîneur que ces deux milieux latéraux sont en forme parce qu'ils vont devoir multiplier les allers-retours. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Marco Asensio. Gareth Bale. D'application. Salut Gotagi, comment tu vas? Comment tu vas, mon modo? Et dans ce match, Pierre, on va voir Cristiano Ronaldo face à Paolo Dybala. Oui, Cristiano Ronaldo est un joueur qui s'appuie avant tout sur son jeu de tête. Il est très souvent à la retombée des ballons aériens et son équipe sait qu'elle peut compter sur lui dans ce domaine. De son côté, Paolo Dybala. Ouais, la magnifique passe là de Modric. Il peut être dangereux. Attention, attention à Gareth Bale. Oh, il y est! Oh, le premier but dans cette rencontre! Une rencontre qui. Ça va, ça va. Un vrai coup dur pour notre équipe. En gros, c'est comme si elle commençait son match avec un but de retard. Oh ouais, ce but marqué à bout portant. Et puis, il va le rater quand même. Avec sa roue. Et puis, il va le rater. La Juventus qui va prendre l'aile. Personne pour la contrer. Dans la boîte, il y a du monde. Toni Kroos. Bien. Toni Kroos, dans de très grandes qualités, même s'il fait partie des stars mondiales. Ouais, faute, hein. Faute du joueur du Real. Ouais, goal, comme tu dis. Qui vient de perdre un jeu. La fin du match risque d'être un peu plus compliqué, hein, Pierre. Ouais, il va falloir montrer beaucoup de solidarité. Et bon, ça s'annonce pas bien. Hein. La Juventus de Turin à l'attaque. Ouais, l'arbitre a sifflé hors jeu. Hors jeu.
Sergio Ramos. Le Real qui a vraiment de l'espace sur les côtés. Ah, il va trouver Cristiano Ronaldo. Attention, ça peut être dangereux. Et la touche. Bonsoir à tous, bienvenue. N'hésitez pas à parler sur le chat. Dybala. Pour Higuaín, le centre. Cristiano Ronaldo. Ballon a perdu d'un côté, a récupéré de l'autre. Ouais, peut-être une situation intéressante là. C'est pour Dybala. Et le but, magnifique. Ah, la frappe, elle était quand même très bien la seule. Mais bon. Parler, je me sens seul. Pas spécialement appuyé, mais extrêmement bien placé. Ça suffit pour battre le gardien. C'est clair que de cette distance, il n'y a pas grand chose à faire pour le gardien. Alors, moi qui est concentré en plus, alors. Ah, il bascule sur l'aile, histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact. Ah, le ballon qui sort. Corner à venir. Le corner frappé par Pjanic sous pleine surface. Ouais, la frappe. La frappe contrée par le défenseur. Le ballon est sorti. Corner pour la ligne. Il a retombé à tuer. Je vais gérer. On va essayer. Pjanic. Non, c'était dangereux. Mais la ligne tire. Le défenseur avec le ballon. Il est marqué Dybala. Le ballon qui sort. Et le gardien qui va tirer. Oh, mais branche ton micro, garçon. Parfaitement ajusté, plein axe. Le Real Madrid qui s'attend à un match compliqué, hein, Pierre. Je ne sais pas, mais l'adversaire a les moyens de gêner le Real, c'est évident. En tout cas, c'est une belle offre. Cristiano Ronaldo. C'est le face-à-face avec le gardien. Ah, il va avoir une super occasion de marquer après cette faute. Très bon coup franc. C'est dans le mur. Mais cette fois, il ne trompera pas le gardien. Un bon arrêt à mettre à son actif. Blaise Matuidi. Sami Khedira. Trop appuyé, le gardien va se saisir du ballon. Salut Kéléa, bien placé. Bienvenue à tous, n'hésitez pas à parler sur le chat. On se sentira moins seul déjà. Modric. Steiner. Faut tirer sur le joueur de la Juve. Coup franc donc. Matuidi. Rafael Varane. Marcelo. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Ballon. Allez, allez, Ronaldo, il peut marquer sur ce ballon. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Attention parce que la contre-attaque se poursuit. Le danger qui se précise peut-être. Oh merde. Allez, le centre maintenant. Il s'est dégagé du point. Ah, une frappe lointaine. Pourquoi pas. Ouais, merci, 80 follow, ouais. Gonzalo Higuaín. Higuaín qui prend sa chance. Oh, c'est juste à côté. Ouais, dommage, c'était plutôt joli ce qu'il a fait. Alexandre. Allez, à part.
Oh, c'est pas de ma faute, hein. Les gens, ils viennent se follow et puis voilà. Hein. Allez, c'est parti, la seconde période de ce match ici à Santiago Bernabéu. Marcelo. Ah, il perd le ballon, bon tacle. Ah, bonne intervention, ballon en touche. Et ce centre qui est contré. Glazmat lui dit. Juventus de Turin à l'attaque. Non, non, sortie de but. L'entraîneur qui a choisi de faire sortir Cristiano Ronaldo. Le buteur qui sort, on va voir ce que l'entraîneur met en place maintenant. Ouais, le ballon qui sort, ça va être un 6 mètres. Ce ballon qui file jusqu'au gardien. L'action qui n'ira pas plus loin. Ah, le gardien donne un sourcil à son équipe. Il vient de sauver cette balle de but, Hervé. La Juve à l'attaque. Ah non, ça n'ira pas plus loin. Cristiano. Cristiano Ronaldo. Elle a bonne passe en profondeur. Bien vu. Allez, il peut y aller. Il peut y aller. Denis Kroos. Oh, elle est au fond. Il a peine entré en jeu. Sur ses premiers ballons, il marque. Des joueurs qui prennent l'avantage, donc avec ce but. On pensait qu'en infériorité numérique, ils avaient tout faire pour préserver le but, mais regardez ce qu'ils sont capables. Magnifique. Ouais, attends, je vais. Après, à la mi-temps. Tu peux attendre la mi-temps, Gotha? Action dangereuse. Allez, il continue. Il va pouvoir centrer. Le gardien qui a à peine à s'employer pour se saisir du ballon. Le contrôle est bon. Paolo Dybala, Casemiro, Samy Khedira, Blaisbat lui dit, Pjanic. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Tiens, sur les joueurs de la Juve, coup franc donc. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Douglas Costa. Il cherche un coéquipier dans la surface. Oh, la belle tête! Surtout quel arrêt, il accède splendide. Yo, comment tu vas? Ouais. Ah, nickel. Attends, je baisse le son de ton live aussi. Ouais, ça va, écoute, tranquille. Ça va, tranquille. Bon, ça raconte quoi? T'es en ligne, là, sur FIFA? Ouais, je joue avec un gars, là. Ah, ok. Attends, parce que j'ai le son du jeu qui est ultra fort. Faudrait que je baisse le son aussi. Vas-y, parle pour voir. Ah, nickel. Ça. Nickel, oh là là. Nickel. Ouais, j'avais le son du jeu qui était extrêmement fort. Vu que j'ai fait du drift sur FH5 là. Ah, sur Forza Motorsport 5. Du coup. Ah! Non, je me suis chié.
Bon, en tout cas, bienvenue à tous à tous les viewers, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est moi, votre modérateur préféré Gotagui, je suis là, je modère, il n'y a pas de problème. Parce que le pauvre... Merde, je suis désolé frérot. Parce que le pauvre Valou n'a aucun modérateur le soir connecté et que Gotagui est obligé de se connecter pour modérer un peu. Ah, heureusement qu'il y en a qui sont là quand même. Hein. Bah, hey. Je bosse pas pour rien, tiens. Bon, par contre, le chèque, tu le signes quand? À la fin du mois? À la fin, quand il y aura des sous, toi. Ouais, c'est ça. Bon, t'as fait des dons ou pas, là, ce temps-ci, ou c'est pas trop? Non, c'est pas trop, c'est calme, là. Ah, c'est calme. Ouais, moi aussi, sur My Live aussi, c'est calme. Calme aussi. En plus, là, j'ai 6 clés à donner de FIFA, là. Mais tu parles. Ouais. La passe est interceptée. Alors attends, Poto, je vais juste prendre ton IP pour la mettre de côté. Après, une fois que j'ai fini ma course. Pour pas que mon logiciel il boot en fait, ça serait con pour toi. Pour ta connexion surtout. Ouais, très con quand même. Bah oui. Sachant que ça serait pas mon intention, tu vois. C'est pour ça que je vais aller sur mon logiciel 2 secondes, je vais mettre ton IP de côté. Je vais la blacklister. Comme ça, ton IP. Elle pourra pas être dédos, tu vois. En plus, en ce moment, là, j'ai des gros problèmes de connexion. Alors. Ah ouais? On fait que dédos ou quoi? Non, non, non. C'est Orange, apparemment, qui a un gros problème sur le réseau. Ah ouais? Ah, ok. Tu me dis, gros, si on dédos, hein. Tu sais que je suis là. Je sais, je sais. Viens me voir et t'inquiète, moi le mec, je m'en occupe, y a pas de problème. Hier, j'ai mis une déco à un mec de 2 heures, gros. J'arrive sur Call of, tu vois, tranquille, j'étais avec mon petit mode menu. Et tu vois, je joue tranquille, tu vois, je joue sans le mode et tout, tu vois, je joue vraiment peinard et tout. À un moment, j'active le mode sans faire exprès, tu vois, je l'ouvre et tout. Et il y avait un mec, en fait, il était pas dans la game, mais il regardait la partie, tu vois. Et il m'envoie un message, il me fait, vas-y, t'es un fils de pute, t'as un mode menu. Je lui ai fait, ouais, mais gros, écoute, je l'utilise pas, je joue normal. Il me fait, ouais, mais c'est pas une raison, hein, fils de pute. J'ai fait, quoi? Pardon, t'as dit quoi? T'as bien dit fils de pute? T'en vas debout de 5 minutes, ça te fait bien. Non, non, je lui ai fait, écoute, redis-moi ce que tu m'as dit, mais par contre, si tu me le redis, moi, je te préviens que je vais debout. Il me fait, ouais, c'est ça, t'es pas capable et tout, t'es pas un hacker et tout. Ok, d'accord, alors je prends son IP, je vais sur mon site, et là, je mets 2 heures. Et là, je fais, ok, bah dis bye bye à Taco parce que là, tu l'as pas pendant un moment. Et le mec, il me fait, bon, vas-y, ose, de toute façon, t'oseras pas et tout. Et là, bam, j'appuie sur le bouton et tu vois, le mec, il s'est déconnecté en 2 secondes, il m'a envoyé un message. Et 2 heures plus tard, il m'a fait, t'es vraiment un fils de pute. Et j'ai fait, ben, fallait pas faire le malin. Après, je boute pas pour rien, tu vois. Ouais, ben. On n'a pas eu de mal à le gagner, ce match, merde. Ouais, putain, t'as bien géré, mec. Il a l'air nul un peu. Non, il est bon, il est bon. C'est que. Et c'est celui qui est dans le groupe? Ouais. Je lui ai envoyé un message. Ah merde, je suis désolé, frérot. Tu dis ça au calme, il a l'air nul. Il est dans le groupe, tu sais. Il est français ou pas? Oui. Ah merde, je suis désolé, gros. On ferait un EVM plus tard, on verra. On ferait un match ce week-end. Je récupère le jeu de mon voisin normalement ce week-end. Je vais lui demander s'il peut me le prêter, FIFA 18. Comme ça, on pourra faire des matchs le soir, Valou. En coop. Bro, je suis en train de drifter, frère. Je suis en train de les exploser au score. Bon, hier, on a fait Division 5. On est redescendu. On est remonté en Division 4. On est redescendu en Division 5. On est remonté en Division 4 aujourd'hui. Bah, hier, dans la nuit, quoi. Ouais, ça va, ça passe. Avec le gars, là. Ouais, tu perds et tu montes de division, quoi, toi. Ouais. T'arrives pas à te maintenir. Ah, si, 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 on se maintient. Des moments ce matin, mais c'est pas facile avec. Et là, vous jouez en quoi? Là, vous jouez en coop? Ah, en coop, ouais. Ah, ouais, ok, c'est un match en coop. Ah, ouais. Donc, double excuse de ma part, puisque si tu es en coop, du coup, j'ai pas vu ton perso. Enfin, j'ai pas vu ton pseudo, en fait. Quand... Je pensais que c'était ton adversaire, tu vois. Mais en vrai. Non, non, ils jouent, on joue, on fait deux. Ouais, ouais, non, non, mais ouais, je viens de voir, en fait. Je viens de voir.
Parce que je me disais, je pensais que tu faisais un match contre lui, tu vois, normal. Non, non, 2 contre 2. Ouais, Bonsoir, ouais, bienvenue aux autres viewers qui arrivent là en ce moment sur Twitch. Ouais, bienvenue à tout le monde. T'as vu, j'ai fait une boutique aussi de vêtements. N'hésite pas à aller ouais. voir aussi. T'as des vêtements toi depuis quand? Ça fait 2-3 mois, je crois. Mais t'as une Ça société? marche. Bah, ouais, Ah, j'ai un ok. partenaire en gros, si tu veux. Avec Ah, t'es un Shop, partenaire, ouais. d'accord. Ah, je vais aller voir, attends. C'est où le lien? Tu Shop, tapes ouais, ok. Ouais, le c'est bon, téléphone je après, tu l'ai. l'as, Je l'ai, ça fait t'inquiète. point d'exclamation BT. Si j'ai pas Les mis de. produits, 37. T-shirt à capuche premium pour homme, 35,49€. À chaque. Ah, t'as même. Mais non, arrête! En fait, t'as ton image sur les t-shirts. Ouais. Il est. Vas-y, gros, je vais te commander un truc. Le mug. Je gagne 12,99€. les 2 € c'est pour moi en gros. Ah, T'enlèves les. sur 12 euros, tu gagnes 2 euros en Ouais. fait. D'accord. Vas-y, ajoute au panier, frérot. Ça va directement Ok. dans mon sou à moi. Ouais, t'inquiète. J'en ai pour 17 euros avec les frais de taxes. Ouais, ils sont Ça chiants avec va. leurs frais. Bah, c'est Encore. normal, hein, il faut qu'ils fassent des thunes aussi. Vas-y, c'est bon, t'inquiète, tranquille, je vais Et payer. encore, c'est le site le moins cher que j'ai trouvé, tu sais. Le Ouais. sweatshirt, je l'avais vu à 50 balles sur notre site. 50 balles, t'imagines, t'as 50 balles. Je non. Les mecs vont pas mettre 50 Il y a balles. que en blanc le mug que tu peux l'avoir. Non, non, regarde, il y a C'est d'autres couleur couleurs unique. normalement. Ah, il y a d'autres couleurs. Voyons. Ah ouais, mais attends, là, il est en train de commander ce bâtard. Ah, voilà, c'est bon. Hop. Et après, il y aura une spéciale Noël et tout. Il y aura une tasse spéciale Noël, il y aura un t-shirt spécial Noël. Il y Non, aura. c'est stylé, franchement. C'est Je vais cool voir quand tu avec fais eux des là. partenariats comme ça, tu vois. Ouais, mais toi, c'est un partenaire, mais toi, je fais pas de pub pour eux, toi. J'ai Ouais, essayé bah mon. ouais. Toi, j'ai essayé le t-shirt de mon côté, j'ai essayé le truc de mon côté. J'ai vu la qualité que c'est. Par contre, lave les t-shirts à l'envers et tout. Ah ouais, parce Ouais. que le logo a pris ce bar. Ouais. À Ah force ouais, de bah se oui. laver, ouais. Ah oui, c'est de l'imprimé, c'est normal. C'est normal. Vas-y, je vais voir. Toi, dégage. La faucheuse, comme dirait l'autre. Ah voilà, la couleur donc. En blanc. Ah oui, il y a d'autres couleurs, hein. J'ai mis toutes les couleurs. Tu peux choisir, Ah normalement. ouais, attends. Attends, je regarde. Expédié sous combien de temps? Standard, c'est entre le 26 et le 28. Oh, il faut 10 jours, quoi. Allez, ça joue. Le joueur du Real qui commet une faute. Vas-y, frérot, je commanderai ça plus tard, t'inquiète. Oh, ça aura. Je vais peut-être commander le pull, comme ça tu recevras un peu plus de sous. Ou alors tu ferais un don, je sais pas, on verra. Tu les as pas activés, toi, les dons Si. Non, non, mais pas les dons. Comment on appelle ça? Les subs? Les bits. Les bits? Non, Non. les bits. Non, j'ai pas le droit encore. Ah, t'as pas le droit. Non. Je suis pas encore affilié à Pourquoi? Twitch. Ah ouais, il faut que tu payes. Ouais. Non, faut être affilié à Twitch. Et faut faire comment pour être affilié? Bah, faut avoir des followers. D'accord. Bah moi je peux, j'ai 230 followers je crois. Ouais. Attends, je vais toast, ça va te ramener du monde. Moi, parce que je crois que toi je toaste pas. Je Non, vérifie tout. ça. Il n'y a pas beaucoup de monde qui me host, moi. Si, je crois, Bah sinon je vais te c'est mettre en host automatique, je crois. permanent. Si, Bah tu il me m'attends semble, mais je suis pas en sûr. host automatique, je crois. Je sais pas, je vais regarder. Attends. Bien joué dans l'intervalle, Toni Kroos, c'est bien vu, hein.
Oh, je suis pas dans mon match. Désolé mec, excuse-moi. Non, c'est ma faute, c'est moi. Je pense à autre chose. Non, non, mais c'est pas à toi que je parlais en fait. Ah, non, non, je toste pas à toi. Pas à toi que j'hoste. C'est un mec qui m'a supprimé de sa liste d'amis d'Xbox parce que j'ai dévoilé son IP sans faire exprès sur son live. Tu sais, une adresse IP ça change. Oui, mais non, il a pas de VPN et il s'y connaît pas. Alors attends 2 secondes, je vais toast de suite mon petit Valou que je t'aime. Alors Flash host. Vas-y, y'a pas faute quoi. Bâtard. Arrobas. Va. Loup. Du. Oh. 180. Du 17, 180, est-ce que je suis con. Non, bah, mon iPad est mort. Et voilà, tu es exhaust. Mon iPad est mort, je crois. C'est bon, je t'ai host, monsieur Valou. Ouais, mon iPad vient de cramer. Ah merde, RIP. Allez, faites des dons à Valou pour qu'il se rachète un iPad, les gars. Soyez généreux. Que j'aille demain. Ah oui, mais attends, il fallait que je prenne ton IP, frérot. Attends, demain, hop, 2 secondes. Chez Bouygues et tout. Non, je rigole. Ah ouais, pourquoi? Non. Faut que j'aille me racheter un. Je vais prendre une déco de groupe, frérot, c'est normal, c'est parce que j'ai activé mon logiciel. Bonjour. Frérot, je suis con, j'allais dire ton IP en ligne. Je m'en fous, je sais comment changer les IP là. Oui, non, mais même on est en live, je t'explique. Attends, je vérifie que c'est bien ton IP parce que voilà, on sait jamais, tu sais. Peut-être que c'est pas la tienne, mais je vais vérifier. Attends. J'ai le logiciel qui est là. Hop, je bouge pas. Bah alors, les gars, vous allez savoir où Valo il habite. Ça va être marrant. Les gens du live ils vont savoir où t'habites, ça va être marrant. Il va y avoir pas grand chose. Hein. Ouais, j'avoue, le mec, le temps qu'il vienne chez toi. Alors, 86 points. Oh. C'est quoi après? Je la connais pas. Ou je la mémorise parce que. À moins que je la mette comme ça la page. Ah ouais, non, je vais la mettre comme ça la page en fait. Non, mais il est mort. Ce putain de truc, il affiche en grand. Ouais, alors. Allô. Ah, il y a un bah micro. Ouais. Bah... Ouais, mais il est con en fait. D'accord. Valou, tu as des potes cons, je ne savais pas. Tu m'as pris un truc. Salut, salut. Attends 2 secondes, Valou, parce que je suis pas sûr que ça soit ton IP. Il faut juste que je vais la noter parce que je suis pas sûr. Attends, bouge pas. Hop, parce que je vais pas la dire sur ton live, ça se fait pas, tu vois. Il me faut un stylo. Là. Tiens, je te remets la main. Valou, c'est un champion du monde, mon pote. Tu crois quoi? C'est le dernier joueur du monde sur FIFA. Peut-être pas, quand même. Peut-être pas, en fait. Il est peut-être plus fort que tu ne le crois. Non, non. Je dis pas que je suis fort, hein. J'ai une grosse merde. Ouais, non, dis pas ça, Valou. Alors, DCSK, si jamais le département que je sors, c'est le tien, tu me le dis direct, ok? Parce qu'en fait, là, j'ai pas, j'ai toutes vos IP, enfin, j'ai ton IP, j'ai celle de Valou. Et en fait, je vais vous mettre en blacklist. Ça veut dire qu'en fait, votre IP, elle sera inutilisable. En gros, on pourra pas vous dédos.
En gros, tu pourras pas de prendre de déconnexion par DDoS. Alors, ok, ça mange la tienne. 86 points. Je sais ce que c'est qu'une attaque des doses d'Ichiest ou pas. En gros, c'est quelqu'un par exemple qui va être malveillant, va prendre ton adresse IP et va aller sur un certain site qui te permet de couper ta connexion internet à distance. Et en fait, il n'y a que lui qui peut mettre le temps qu'il veut la couper en fait. Il peut la couper pendant 5 minutes comme il peut la couper pendant des heures et des heures. Et il n'y a que lui qui peut te réactiver ta connexion. Tu peux appeler ton opérateur, il pourra rien faire en fait. Voilà ce que ça sert à des doses. Est-ce que qui c'est qui est orange? Moi. Ok, donc c'est ton IB. Okay. T'habites en Poitou-Charentes à La Rochelle. C'est ça. Comme tu dis pour mon adresse, 17 000. C'est bon. J'ai pas ton adresse précise, frérot. Attends. C'est qui le bébé? C'est mon fils. Ouais, voyons, Gotha. T'es un enfant, toi? Bah, bien sûr, j'en ai deux. Ah ouais, je savais pas ça, poteau. Moi aussi. Ah ouais, mais t'as quel âge? Bah, 30. J'ai 30 ans, moi. Ah ouais, mais je m'en souvenais plus, frérot. Fallait me le dire. Je savais plus, moi. Bordel de merde. Ah, il s'appelle comment? Lorenzo. Comme le chanteur. Ah, cool. Coucou! Ouais, ils entendent pas. Ah merde. Le mec qui parle dans le vide comme un con. Ok, donc c'est bon, j'ai mis ton IP sur Blacklist. On pourra pas te dédos. Hop. Mais non, pourquoi t'as pas tiré? Il a quel âge ton fils? 9 mois, il aura 10 mois aujourd'hui. Enfin, le 9, ah ouais, ok, 19. D'accord. On est 19, bah oui, il a 10 mois aujourd'hui. Ah ouais, ok. Ah, c'est son anniversaire, au petit. Bah oui, joyeux anniversaire. J'ai trouvé une application, gros, de où tu peux... Mais vas-y, fils de pute. Attends deux secondes. Attends. J'ai trouvé une application, mon pote, où tu peux savoir exactement où tu habites. Numéro de rue et tout. Voyons, Valou, où c'est qu'il habite exactement. Je dirais pas, hein, t'inquiète. Pour moi. Non, dans un trou. Ouais, mon PC. Je peux pas. Juste dis-moi exactement, précisément, si tu es. Est-ce que ta ville. Je te dis juste ta ville parce qu'après le reste, je vais pas dire ton adresse, je suis pas un batteur. Est-ce que ta ville, c'est Bord-les-Orgues? Non. Alors attends. Moi, mais t'habites à La Rochelle, je veux bien, d'accord, je suis d'accord, mais je veux savoir exactement où c'est qu'il habite, moi. Près de la mer. À 5 minutes de la mer. Oui, non, mais ça, en fait, ça, je m'en fous, mais je veux juste la géocalisation exacte de ton IP, en fait, si tu veux. J'essaie de trouver, mais je sais pas si t'as un IPv6 ou un IPv4. Un IPv6. Ok, merci. Ah, voilà, c'est mieux, là. Est-ce que, Valou, quand t'as un VPN et que quand tu tapes mon IP, ça t'affiche une IP, et que quand tu vas sur un site, ça t'en affiche une autre?
Oui. Sachant que l'autre, c'est ma vraie IP. Est-ce que c'est parce que j'ai un VPN que la première IP qui s'affiche, c'est pas mon IP normale? Ça doit être normal. Parce que là, j'ai un VPN actif grâce à un truc en fait, mais du coup, je sais pas s'il fonctionne le VPN, tu vois. Parce que quand je tape mon IP, ça me dit pas ma vraie IP, et après, quand je clique sur le site, ça me donne ma réelle IP. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc en fait, je cherche à savoir si mon VPN il est vraiment actif ou pas en fait. Parce que là, par exemple, là, je suis sur le site, là, ça me dit mon. Là, ça me dit exactement où c'est que je suis, tu vois, normal, mais ça me dit où j'habite et tout. Donc ça, c'est ma vraie IP. Mais mon VPN qui est sur le PC, je crois pas qu'il est actif en fait. Et je sais pas comment l'activer ou comment en mettre un. Attends, je regarde. Ouais, ça c'est bien chez moi, ça. Mais non, c'est pas ça que je veux en fait. Bref, on va regarder ton live. On va pas batailler avec ça. Juste, je vais contrôler. Ouais, tu seras je vais mettre. Où c'est que j'habite? Non, mais en fait, je m'en fous. Mais c'est pas ça en fait. C'est. Je te dis, mais par contre, je me pose la question par rapport à mon VPN. J'habite à. Ouais, à un quart d'heure du centre-ville. Attends, bah au pire, Adam, je peux te dire à peu près, parce que j'ai la géolocalisation. Je vais essayer de voir à peu près où tu habites, tu vois, mais. Bah, déjà, t'es en Poitou Charente. Ouais. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. D'accord. Ok, attends. Je le zoome, hein. Je zoome pour savoir exactement où c'est que tu habites, hein. Parce que je... Est-ce que tu habiterais pas. Rue Marcel Paul. Non. Non, mais tu connais. Oui. D'accord. Ok. Parce qu'attends, t'es localisé là en fait, je t'explique, poteau. T'habites à côté de la gendarmerie maritime? Non. Parce que gros, tu sais qu'on te localise là en fait. Oui. C'est normal. C'est ton VPN? Ouais. Ah, c'est ton. Mais non, mais c'est pas normal. Ah, mais t'as mis ton VPN en France. Ouais, oui. Ouais, mais change-le, gros. Parce que là, on sait où t'as. On sait ta ville, gros. Change-le. Il est pas bien programmé. Attends, je reviens. Ah, ouais, il y a le petit killer, vas-y. Ouais. Allez, je vais m'en occuper 2 secondes, j'arrive. Vas-y. Ouais, vas-y, t'inquiète. T'as dit quoi? Ah ouais, ok. Alors attends, hop. Je vais peut-être prendre une déco de groupe, c'est normal. Hein. Je m'en vais pour les IP. Nickel, c'est bon. Je vais juste la noter pour te mettre sur liste noire en fait. 2 secondes. Comme ça, on ne pourra pas de délos. Après, je vais te faire rigoler, je vais te dire où t'habites. Ça va être marrant. Je vais te dire chez quel opérateur tu es. Mais après, je dirai pas le nom de ta rue et tout parce que. Avec mon logiciel de géolocalisation, je peux pas le voir ça. Il y a d'autres logiciels où tu peux le voir, mais le mien non. Du coup, je peux dire maximum ta ville, quoi. Oh, pardon. Alors. Est-ce que tu es chez Free? Hein? Tu es chez Free ou pas? Ton micro il bug, je crois. Tu m'entends?
Ah ok, est-ce que t'es chez Free ou pas? Ok, donc c'est bien toi. Tu habites en Alsace? À Strasbourg? Soit 67 200 le code postal? Moi je dirais pas plus après, je suis pas un bâtard. On est d'accord qu'on se connaît pas? Je vais essayer de dire le nom de ta rue approximativement, mais si t'as. Ah, mais t'as peut-être pas de VPN. Mais vas-y, mais vous, vous. Mais attends, je suis en train de regarder sur la map, frère. Les noms de vos rues là-bas, ils sont en allemand, s'il te plaît. Königschoffen de mes couilles, là. C'est quoi ce bordel? Ok, toi, t'es là. On va zoomer sur ta maison, en fait. Le bâtard, c'est zoom sur la maison du mec. Ok. Je suis obligé de zoomer, gros, j'ai pas le choix. Je vais dire à peu près le nom de ta rue, mais approximativement. Hein, et la localisation sur ce site, elle est pas. Voilà quoi. T'as compris. Ok. Est-ce que tu habites à côté d'un Apple Store? T'habites cours. Attends, j'ai le nom de ta rue, je crois. Je suis pas sûr. T'habites cours de Lobette? Ok. Bah en fait, ton IP, elle est localisée entre l'Apple Store, la bibliothèque et cours de Lobec. Et juste à côté, t'as Adagio Apart Hotel Strasbourg. Voilà ta maison ouais, situe sur avec ton IP, tu vois. T'es localisé là en fait. Voilà. Si tu veux savoir. C'est quoi, non? Oh, bah rien, hein. Donc, tu veux que je fasse quoi en fait? Explique-moi. En fait, blacklisté, c'est-à-dire que. Moi, en fait, je t'explique, moi, je suis booter, donc en fait, moi, je boot des gens. Tu vois, je donne des déconnexions à des gens. Le fait de te blacklister, ça va me permettre, en fait, que ton IP n'apparaisse jamais dans mes boots. Donc, en fait, tu pourras jamais être boot. Voilà. Vas-y, c'est bon, tu peux relancer. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça qu'en fait, toi et Valou, je vous blacklist, en fait. Comme ça, je vous dédose pas et je sais que votre adresse IP n'apparaîtra pas, en fait. Bon alors, elle a toujours pas trouvé où c'est qu'il habite, hein. Mais Devrait frérot, avoir non, ça. j'ai pas trouvé. Mais tu sais que c'est. En plus, t'as un VPN, donc c'est pas exactement. Voilà. C'est normal si t'as un VPN. Ah bah oui. Non, toi t'en as pas, toi. Mais ça donne pas exactement où t'habites, en fait. J'ai pas le bon logiciel, si tu veux. J'en ai un autre où là, ça peut te dire exactement ton numéro de rue et tout, mais. Après 3 journées, Flemme de l'installer! bonne position cette équipe Pierre. Elle peut encore jouer le titre si c'est ça que tu veux dire, Hervé. Pour ma part, j'attends quand même encore un peu la suite des événements avant de me prononcer. Bref, vous êtes protégés par moi, les gars. Je veille sur vous et sur votre IP. Bon, de toute façon, Valou, il risque rien, les VPN. Avant de me boot. Ah, moi, je dirais pas trop ça, frère. J'ai trouvé un logiciel, mon pote, VPN ou pas, il fait sauter. C'est un système sans surprise qu'a choisi l'entraîneur à 4-3-3. Sans surprise, mais c'est risqué. En fait, tout dépend Je te promets, hein. VPN ou pas, il te fait sauter ta cour. Tu veux qu'on essaye, Valou? Non, non, c'est bon. Putain, mais de toute façon, tu sais très bien que je le fais pas, mes potes. Tu le sais, tu me connais. Donc, je suis pas un bâtard. Vous n'êtes connecté à aucun profil, vous ne pouvez pas sauvegarder. Mais frère, je suis connecté en ligne. Connecte-toi au serveur 3-6, s'il te plaît. Tu laisses MW3, tu sais, t'as le truc qui te dit vous n'êtes pas connecté. Va te faire enculer, s'il te plaît. Allez, vas-y, Valou, gagne-moi ce match-là. Bonsoir, Oh, bien bienvenue aux joué. deux viewers qui arrivent. Bienvenue à tous, Bonsoir, bonsoir. j'espère que vous allez les potes. Ah, dommage. Ah, dommage, putain. Pourquoi t'as fait ce shoot, Valou? Putain, t'aurais pu la mettre. Mais nous, on est les blancs. Hein. Oui, je sais, mais oui. Mais t'as vu le tir que t'as fait au lieu de tirer, t'as fait un espèce de lob au gardien.
Ah ouais, non, mais ok, d'accord, ok, non, mais je viens de comprendre qu'en fait c'était ton camp là-bas, bien joué. Beau but. Ah oui, attends, hop, je prends ma... Putain. En fait, mais il... comment ça lag, sa mère. Ça, c'est y a moi, un moteur ou quoi dans la game? Non, c'est moi, c'est Mako. Non, 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 je te parle de MW3, je suis sur MW3, gros, ça lag comme jamais, frère. C'est moi, Mako aussi. Il y a un booter, il y a un moteur ou quoi, je sais pas. Je crois qu'il y a un moteur dans la game, gros, parce qu'on bug comme des malades, mais on bug tous en fait. Ouais, je crois, c'est quoi ce bordel? Je me TP à toutes les deux secondes sur le jeu, gros, c'est injouable. En plus, je joue au snipe, moi. Vas-y, je vais quitter la game, parce que là, c'est pas possible en fait. Là, je peux pas jouer, frère. Vas-y, je quitte la game, c'est mort. Non mais oh. Mais ils sont nuls en face en vrai. J'aurais pas dit ça hier. Hein. Ouais, Esteban. Ah, tu les connais ou quoi? Non. Ah hier. On arrêtait pas de rencontrer au moins deux ou trois fois la même personne quoi. C'était chiant. Ah ouais? Chaud. Ouais. Après, tant que tu gagnes, c'est le principal. Vas-y, il faut que j'installe BF1, c'est vrai, j'avais oublié. Il va manquer de combien de place là pour installer BF1? Parce qu'il faudrait que je désinstalle un jeu. Mais j'ai préco Farming Simulator 19 là. Et alors? Tu me préco aussi un jeu ou pas? Non, non. T'es, oh, putain, t'es un bâtard. Vous vous démerdez les gars. Vas-y quoi? Vous vous débrouillez. Non, mais attends, tu peux quand même payer un jeu à ton pote? Non, c'est pas possible ça, bordel de merde. Déjà je le paye 54 boules mon gars. Ça fait déjà mal au cul. Je m'en bats les couilles, moi, frère. Achète-moi un jeu, espèce de radin. Le bâtard, tu sais. Tu m'as déjà fait un don sur mon stream? Non. Non, jamais. Mais je peux pas te faire de don, frérot. Si, j'ai pas de carte bleue qui passe par internet. Ah ouais. Sinon, oui, bien sûr, je t'aurais fait des dons. Un bâtard. Non, ma carte bleue, elle passe pas sur internet. Ça, par contre, c'est casse-couille, je te jure, la vérité, voilà. Ouais, allô, on est là. Oui, je suis là. On t'entend. T'inquiète. T'as couché le petit ou pas, Valou? Oui. C'est pour ça que j'étais pas là pendant un petit moment. Ah, ok. Mais il s'est endormi, on a pas perdu. Mais on n'a pas perdu. Voilà. Bon, on a marqué un but, là. Et du coup, t'as un enfant de quel âge? J'ai le petit de... Alors, j'ai un enfant de 10 mois, bah, Lorenzo, et j'ai une fille de 2 ans et demi. Ah ok, d'accord. Ça mâche. Ça mâche. Oui, ça mâche. Mâche. De la mâche. Bien joué, 2-0. Heureusement que Navas est là. C'est le gardien. Le corner de Tony. Oh là 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 là.
Modric. Centre de Gareth Bale, bien joué. Ah, c'était bien amené, mais la conclusion pose problème. En tout cas, le gardien s'empare du ballon sans souci. Ah, c'était trop tôt. Ouf, il a failli la mettre. Ah putain. J'ai ma mère qui vient de déco toute seule. Ok. Eh ben non, t'as pas marqué, t'es nul. Bah eux aussi, ils sont nuls. Ils auraient normalement marqué au moins 4 là. Non, non, mais je disais que eux, ils étaient nuls. Je disais pas que toi, ouais. T'étais nul. Bah oui, non, mais vous gagnez, ça va, tu vois. Hop là. Ah, oh, ça c'est bien joué, ça par contre. Ah, dommage. Je crois que t'as un décalage d'au moins 15-20 secondes. Ouais, 20 secondes. Ouais. C'est le maximum que je peux faire. Vraiment, après, c'est horrible. Ouais, wow, t'inquiète. Mais en fait, Twitch, ça te fait toujours des décalages quand tu live. C'est pas vraiment en direct comme Mixer. Non. Mixer, c'est vraiment en direct, tu vois. Mais Twitch, il y a toujours un décalage, en fait. Parce que vu que ça passe par des serveurs américains et tout, du coup, le temps que la vidéo revienne en France, tu vois, ça met un temps. Ça met un temps. Du coup, c'est normal. Ouais, mais 20 secondes, c'est long. Hein. Quand t'es streamer, c'est très long. Hein, 20 secondes, en vrai. De décalage, c'est chiant. Après, moi, j'ai pas de décalage, après, tu vois. Ouais, ouais, moi, j'en ai pas perso, parce que j'ai une bonne co, mais... vu que t'as pas une bonne co, toi, du coup, c'est normal. Je suis en fibre. Non, moi, c'est pas possible que tu sois en fibre et que tu aies 20 secondes de décalage, Valou. Je te jure, je suis en fibre. Je suis pas en fibre, j'ai pas la fibre et j'ai moins d'une seconde de décalage. Donc t'es sûr que t'es en fibre? Ah oui, sûr. C'est bizarre quand même. Appelle ton. Ah bah j'arrête pas mon gars. Ton opérateur. T'es un plomb avec Orange. M'étonne. Mais Orange en ce moment ils ont des problèmes apparemment, c'est ce qu'on m'a ouais, dit. Ils ont leur serveur. C'est leur serveur qui déconne. Ouais, voilà, c'est ça, donc... Du coup, attends. Nous, chez Free, on n'a pas de problème, parce que moi aussi, je suis chez Free, hein. Donc, il n'y a pas de problème chez Free. Perso... ça dépend où t'habites. Moi, personnellement, j'ai pas à me plaindre, hein. J'ai 300 mégas, donc j'ai pas à me plaindre. J'ai une très bonne connexion. Après, ça dépend où t'habites. Si t'habites à la campagne, c'est sûr que t'auras une moins bonne connexion que si t'habites en ville, quoi. Ça, c'est normal, hein. Si ta connexion, elle est pas bonne, c'est soit t'es en campagne ou t'es dans un coin paumé, tu vois. Ou alors qu'il n'y a pas la fibre. Mais bon, moi, j'ai pas la fibre chez moi et pourtant, j'ai 300 mégas de connexion, hein, donc... Oh là 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 là. Donc dis-toi bien que quand je boot quelqu'un, le mec il pleure. Ah bah de rien. Quand tu peux faire des passes, je le fais. Valou, tu m'achètes FIFA 18? Non. Si je te rembourse en carte Xbox Live, ça te va ou pas? Même pas. D'accord. Je peux même pas encore me le payer moi alors mon gars. T'as dit quoi? Je peux pas encore me le payer alors. Mais moi je ne le cherche pas. T'es pauvre comme le pays? Ah ouais. Ah ouais? Comme Macron, moi. Je suis aussi pauvre que lui. Ah ouais, en fait toi t'es comme Macron, toi tu traverses le trottoir et tu trouves un travail en fait. C'est ça. Ah d'accord, ok, j'ai compris. C'est vraiment plus moi mon gars. Non mais arrête. Je savais même pas que Macron il avait dit cette connerie là, quand je l'ai écouté.
J'étais choqué. C'est le président de la République, les gars, ne l'oubliez pas. Il a dit, je traverse le rue, je vous trouve un travail, moi, monsieur. Non, mais attends. En plus, il dit ça à un jeune devant des caméras et devant des personnes. Tu vois, quand tu regardes la tête des personnes, l'état des personnes, ils font oui, oui, on est d'accord avec Macron, frère. Je sais pas si t'as vu, mais ils ont fait oui, oui, on est d'accord avec lui. D'accord. Je crois que pourquoi Hulot il s'est barré, mon gars. Sur le maillot, ça va plus vite à dire que son nom complet, hein. C'est plus pratique. Ah oui, c'est sûr que Francisco Roman Marcelo Suarez, ça tient pas sur le maillot. Hein. Ouais, c'est ça. Ah, par contre, t'attends donne des putains d'impôts. Hein. T'attends des putains d'impôts de merde. Hein. T'as dit quoi? Les putains d'impôts, c'est en live. Hein. Bah oui, mais ça avec Macron, de toute façon, il faut que tu fallait s'y attendre. Hein. J'ai envie de dire. Hein. Ouais, j'ai entendu ça. C'est les bâtards. 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Ouais, mais t'inquiète que le jour où ils vont être d'accord, ça va être ta merde et ça va être des manifs. Ça, c'est moins sûr parce que les gens ils commencent à en avoir marre de Macron. Donc je pense qu'il y a moyen que ça bouge. Mais il faut que les gens se bougent le cul aussi à bouger eux-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si personne ne fait rien, forcément on va rester dans notre merde. Ça c'est sûr. Hein. Mais bon, on n'est pas là sur le live de Valou pour parler politique. Non mais ou quoi. Tu regardes les vieux et tout, c'est pareil. Hein. Ils ont des grandes bouches les vieux. Non, tout oui, à oui, la bah retraite, oui. Ils s'en foutent. Hein. Macron, il touche à la retraite, ils s'en battent les couilles. Bah oui, ils bougent pas leur cul. Mais en même temps, tu veux qu'ils fassent quoi, les vieux? Tu veux qu'ils disent quoi? Bah non, nous, on n'est pas d'accord. Ils peuvent rien faire. Parce que Macron, les vieux, les méprisent. Hein. Ils s'en battent les couilles d'eux. Hein. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent, eux? Mais t'inquiète, un jour il va y avoir la troisième guerre mondiale, mon pote, accroche-toi parce que je pense qu'il y aura du changement en France et pas qu'en France. Et là, ça va être le bordel, par contre. Quand parce le... que là, maintenant, on parle. Là, maintenant, en Valou, on parle plus d'MP40. Là, maintenant, on parle d'arme atomique, gros. Hein. Dis-toi bien, ouais, puis... ça va se battre coup d'arme atomique. Hein. Quand. Et ça va aller loin. Quand les Anglais vont se réveiller aussi, toi, les Américains. Oui, oui, mais oui. Déjà, Poutine l'avait menacé. Déjà, Poutine, lui, il a menacé. Il avait menacé les États-Unis, je crois. Ouais. Il voulait leur déclarer la guerre déjà. Tu sais, nous, notre président, il veut être copain-copain avec tout le monde, mais. Tout le monde ne sont pas ses copains, quoi. Heureusement que je fais la passe tout de suite, mon gars, parce que. Non, mais après, frérot, tu sais que. Tu sais pourquoi Macron il est gentil avec Poutine? Bah parce que il a le monopole. Parce hein. qu'il espère, parce qu'il espère que Poutine, le jour où il va y avoir la guerre, il sera allié avec la France. Le seul problème qu'il a pas compris, c'est que Poutine, il sera jamais allié avec la France. Ouais, il s'en fout lui. Bah oui, il s'en bat les couilles. Mais bien sûr qu'on sera tout seul, mais on sera dans la merde, les gars. On va être dans la merde. Parce qu'il y a personne, il y a personne. Regarde, tu vas aux États-Unis. Ils ont tourné le dos. Les Américains nous ben voilà, tu vas dire aux États-Unis, on est mal vu. Gros, les États-Unis, c'est la première puissance mondiale au niveau de l'armée, gros. Tu veux qu'on fasse quoi, gros, à côté? On est de la merde, nous. Ben ok, on a les avions de chasse, on a l'arme militaire, mais on a l'arme nucléaire, mais. Tu veux qu'on fasse quoi? On a aucun allié avec nous. L'Espagne, ils s'en battent les couilles de nous. Regarde, tu passes la frontière, tu te fais tabasser en Espagne. Par la Guardia Civile. Donc il y a un moment, il va falloir que on se pose des questions. Non, mais même, de toute façon, il n'y a pas que ça, même l'agriculture est touchée, mon gars. Mais bien sûr, tout est touché en France, gros.
Ils augmentent le lait, ils augmentent tout, mais ils augmentent pas leur salaire à ces bandes d'enculés. C'est ça. En fait, avec Macron, c'est j'augmente, je donne aux riches, les pauvres, je m'en bats les couilles. Par contre, attention, hein, je vous fais traverser un trottoir et je vous trouve du travail, hein, attention. Hein. Ouais, bien sûr, parce que t'es président, or que, parce que t'es connu. Or que on est un des pays où il y a le plus de chômage au monde, au calme, tu sais. Pourquoi on a plus de chômeurs en France? Parce que bah, ils ont tout déjà. Ils ont le Resto du Cœur, ils ont le RSA, ils ont... Bah oui, c'est ça. Déjà, enlève tous les droits qu'ils ont, toi, c'est pas de l'enculé, là. T'envoies les migrants, là, chez eux, là. Ces merdes, là, qui nous foutent la guerre en France, là. C'est ça. Et pourquoi on a des guerres, d'après toi? Pourquoi on a tous ces attentats? À cause de qui? Hein? À cause de nous, peut-être? Ah, oh, vous inquiétez pas, on n'aura aucun problème avec ces gens-là. Ouais, bien sûr. Tu leur donnes 2000 euros plus 60 euros par jour. Attends, il leur donne 60 euros par jour, s'il te plaît. À qui? Aux migrants. Ils donnent 2000 boules quand ils rentrent. Plus 60 euros par jour. Avec un appartement, non, je te jure. D'accord. Ok. Oui, mais c'est Macron, c'est normal, il traverse une rue, il trouve un travail, c'est normal ça. Ouais. Puis que la France en pauvreté aussi, c'est normal. Bah oui, mais c'est Macron, écoute, tu traverses la rue, tu trouves un travail avec Macron, frère. Normal, il est connu, c'est ce que je te dis, tu lui dis, ouais, bah, vous êtes connu. Bah oui, bien sûr, bien évidemment. Et puis t'as bon, moi, les gars, j'ai la dalle, je vais me faire du poisson pané, par contre. Le mec, il est 3h du mat, il bouffe du poisson pané, oui. Et alors? Je vous en parle. J'ai faim. Alors, bonne poisson pané. Oh, merci. Ah, j'ai trop faim, frère, laisse tomber. Moi, j'en ai mangé cuit tout à l'heure, mais... Hop, là, je m'en refais 8. Non, attends, 7, je crois. Je sais pas. Ouais, 7. Ça devrait aller. Après, si j'ai encore faim, j'ai encore une autre boîte. Ouais, du coup, moi, Valou, je vais te laisser tranquillou streamer, finir ton stream tranquillou. Moi, je vais aller manger, parce que j'ai faim. Je vais aller me poser sur YouTube. Mais je continue à rester modérateur sur le live, t'inquiète, je gère le chat. S'il y a du monde, je verrai. Hein ah, pas de soucis. Vas-y, bon, allez. Plus tard, mon petit Valou. Ciao, ciao. Bisous, bisous. N'hésite pas à regarder mes rediffs hein, sur YouTube. Hein. Oui, t'inquiète. Une vidéo aujourd'hui. T'inquiète. Ah, je vais aller voir ça alors. J'ai vu le lien qui s'est affiché. On gagne la voiture. On gagne la coupe, pardon. Oh, ah, ok, je vais aller voir ça, t'inquiète. On a chié. T'inquiète, je vais aller voir ça. Avec Esteban, on a chié hier. Ah ouais? Vous avez fait le montage et tout? Non, je fais pas de montage, moi, je t'ai déjà dit. Je fais pas chier pour le montage, mon gars. Ouais, tu mets comme ça, ok. Ouais. Vas-y, je vais cliquer sur le lien, comme ça je l'aurai déjà, ta chaîne et puis... Est-ce que je te suis sur YouTube ou pas, au moins? Si, je crois. Je crois. Hein. Je vais vérifier quand même. Tu sais, le mec, il est modérateur de ton live, mais bon, il te suit pas sur YouTube et tout, au calme. Si, c'est bon, il est 14 abonnés. Il y a 9h, aucune vue, FIFA 18, Xbox One, 2h42 minutes et 58 secondes. Ouais, t'as sorti une vidéo de 21 minutes et une vidéo de 2h42. Allié l'autre parce que je l'ai vu. C'est celle de 2h là? Ouais. Ouais, ouais. Je l'ai vu. Elle est là, je vais mettre un petit like. Je les regarde quand même avant. Avant de les publier quand même. Bah oui.
Ousmane Dembélé, le soutien de Bon allez, moi sur ce les potes, je vous laisse, à plus tard. Ouais. A plus. A plus, à plus. De la tête, bien joué. Léo Messi. Oh là là là, ça passe pas loin. C'est bien défendu parce que le tireur n'a pas eu le temps d'ajuster son tir comme il l'aurait voulu. Les Blaugrana qui ont le ballon. Ouais, bon tacle, mais personne pour reprendre ce ballon. Gareth Bale. Et Gareth Bale toujours. Ouais, très bon coup franc. Cette faute commise dans une zone dangereuse. On revoit cette faute sur ce tacle glissé. Je l'ai cherché. Cristiano Ronaldo. C'est un adversaire qui récupère cette passe. Gareth Bale. Gareth Bale qui va bénéficier du corner. Bon, ça continue. Allez, on écarte loin de nous. Alors, on a le Barça quand on aime le foot. On aime voir jouer ces deux clubs. Attention, attention Léo Messi. Et le but. Et il s'est touché le poteau. Et c'est rentré. Ouais, ça fait but à la limite de ressortir. Ouais, mais on voit bien sur le ralenti que le ballon touche le poteau et qu'au final ça rentre. Et voilà donc à égalité un but partout. Ça doit avancer. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. L'arbitre qui laisse l'avantage au Real. Attention, attention. Oh putain. Oh, le gardien qui sort vainqueur de ce duel. C'était une énorme occasion. C'est quand même le joueur adverse qui a très mal joué le coup. Attention, il a du champ devant lui. On a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. Et Messi. Ah, c'est pas fini. Ah oui, le bon ballon donné par Léo Messi. Attention, une certaine bonne occasion de but pour Suarez. Un manque d'application. Mieux à faire, c'est celui-là. Oui, il montre l'exemple en revenant chercher ce ballon. Allez, le Barça, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire sur ce ballon. Pourquoi il la prend pas l'autre? Ah, la passe mal ajustée, il récupère un ballon facile. Allez, Real qui a vraiment de l'espace sur les côtés. Ah, la talonnade est interceptée finalement. Ah, le ballon qui continue après ce tacle, qui va le prendre. Ousmane Dembélé. Attention, ça peut faire. Oui, j'ai pas sorti le gardien exprès en plus. Corner pour le Barça. Oh, la belle tête. Surtout quel arrêt, ça fait pas envie. Et bien, Verena qui en la touche. Un ballon rendu à l'adversaire. Le ballon est perdu. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. On peut passer à plier pour vraiment inquiéter les gardiens. Ivan Rakitic. Ah non, pas là, le ballon est perdu. Le gardien
mal sous pression, il ferait bien de dégager. Ah, la passe est interceptée, ballon est perdu. Marcelo, le Real Madrid qui s'approche du but. Mais genre. Il la reprend avant moi, quoi. Pas possible. Oh putain. Et c'est parti, la seconde période de ce match ici à Santiago Bernabéu. Il peut y avoir danger sur cette attaque des joueurs du Real. Il perd le ballon. Cross. On arrive du gardien. Prise de balle parfaite. Oh, la belle passe de Luis Suarez, magnifique. Ah, écoutez, hein, ça gronde dans les tribunes. Nelson Semedo. Merci. Lionel Messi qui appartient déjà à l'histoire du jeu. Hein. Premier joueur de l'histoire à avoir remporté 5 ballons d'or. Quand même, capable de faire la différence à tout moment et surtout à tous les matchs. C'est un génie. Vas-y, l'anti-jeu quoi. Ouais, ils sont nombreux, il faut pas gâcher ce ballon. Avec un tir. Et Piqué qui dégage ce ballon. Ouais, c'est le Real qui reste cette touche. Ah, j'aime pas ça là, les gens qui font l'anti-jeu. Casemiro, Marcelo. Ouais, ballon perdu, l'adversaire s'est interposé. Nelson Semedo. Ouais, bon timing, défense. Attention, attention à Gareth Bale. Le Real Madrid qui obtient donc un corner. Et il est parti, ce corner de Toni Kroos. Le gardien qui ne s'est pas laissé surprendre, qui était là. Oui, qui signe une superbe intervention. Le corner de Toni Kroos, bien frappé. Le tir. Oh, ouais, cette équipe qui prend l'avantage, c'est mérité. Maintenant, l'idéal. Il est magnifique celui-là. C'est le Real Madrid qui prend la tête. L'arbitre a laissé jouer, avantage pour le Barça. On a peut-être une situation intéressante là. Oh, le tacle et le ballon qui ne prend personne finalement. Donc on arrive au deux tiers de cette rencontre. Ouais, c'était pour toi ça. Léo Messi balle au pied. Ouais, ça s'arrête là. Bien joué. Et le gardien qui va tenter de l'arrêter, il n'y a plus que lui. Bale. Oh, le but. Oh, le but qui permet au Real de conforter son avance face au Barça dans ce classico. Allez, on attend la réaction.
réaction des Catalans maintenant, sinon ça va gronder chez les supporters. Et ça commence à devenir un petit peu inquiétant quand même pour ce gardien. Ouais, je crois qu'il est touché. Voilà pour me rattraper avec Bale, mon gars. Et le score qui est maintenant de 3 buts à 1. Isco. Cavarel. Paulinho. Et la touche. Messi. Merci. La passe est interceptée. Cristiano Ronaldo hors jeu. Ça, c'est pas lui que je voulais la faire, mais bon, c'est pas grave. Peut-être quelque chose d'intéressant à faire sur ce ballon. Ah, le ballon qui continue après ce tacle, qui va le prendre. Cavarel. Oh non. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Isco, ouais, elle est belle cette passe en profondeur. Oh, l'occasion peut-être pour Gareth Bale. Et c'est au fond. Ah, ça fait 3. Ah bah t'étais parti hein. T'étais parti alors. Ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque. Il va falloir l'enrayer hein, cette contre-attaque au plus vite parce que ça va devenir dangereux. Désolé. Dégagement pour éloigner le danger. S'il y a leur jeu, Suarez. Il aurait pu laisser le ballon quand même. T'avais la balle en plus quoi. Bon, finalement ce match n'est pas le bras de fer annoncé et attendu. Hein. C'est vrai qu'on s'attendait à un match fermé et serré et puis là c'est tout le contraire. Genre genre ça passe pas ça. Luka Modric. Allez, il peut la mettre, Isco. Ah. J'espère pour lui parce que pour le moment c'est vraiment pas terrible. Sergio Ramos. Il peut y avoir danger sur cette attaque des joueurs du Real. Ouais, peut-être un changement de possession après ce tacle. Ah, le Barça qui va devoir sortir le grand jeu. On ne voit pas trop comment ils peuvent revenir dans ce match. Kroos. Mateo Kovacic. Oui, non. La récupération. Léo Messi. La passe. Oh, il est tout près, la Suarez. Oh, le but, magnifique. Ah, c'est bien d'avoir marqué, même si ça ne change pas grand-chose au résultat final. 4 buts à 2, nouvelle évolution du score, on se régale. Bon, c'est toujours bien marqué, mais bien sûr, personne n'est dupe après ce but. Oui, le français a déjà été fait, on va pas en faire des caisses. Hein. Et Messi, il a l'air vraiment de souffrir, il est blessé. Ça n'ira pas plus loin. Modric est trouvé sur l'air. Ouais, la magnifique passe là de Modric. Ah oui, la passe de Bale, bien vu. Le but de Cristiano Ronaldo. Ah, ils vont quitter. Voilà. Une victoire en plus.
On t'attend. J'étais déjà là, hein, je t'attendais. T'as vu, on a fait 4 victoires et une défaite, hein. Pas de nul. Les joueurs savent qu'il ne leur manque plus qu'un point pour assurer la montée, alors autant le prendre tout de suite. Hein. Ouais, faut prendre les 3 points, c'est bien. Avec la coupe. Avec la coupe à la maison. Voici la composition du Bayern Munich aujourd'hui. L'entraîneur a choisi de densifier son milieu de terrain en alignant un 4-5-1. On va donc voir un bloc assez homogène, évidemment pas du tout évident à bouger. Vous voyez apparaître la proposition du Real. L'entraîneur a choisi d'aligner ses joueurs en 4-4-2 avec un milieu en losange. Ou en diamant, comme disaient les Anglais. Marco Asensio. Voilà. Quelle bonne idée, ce but. Quelle bonne idée pour assurer la montée. Ah, les joueurs savent que le but suffit, mais il n'y a rien de plus dangereux que de jouer le score de parité. Ils ont bien raison de vouloir se mettre à l'abri. Le buteur qui s'est retrouvé dans une position idéale, bien sûr, pour marquer. On ne peut rien faire à cette distance. Un bon ballon d'attaque. Le tir. Ce sera un corner pour le Bayern. En deux temps, peut-être ce corner. On va rester là sur cette action. Sortie de but. Magnifique passe de Modric. Cristiano Ronaldo. Ouais, la bonne claquette, là, bien joué le gardien. C'est un corner pour le Real. Bale. On s'approche du but. Cristiano, attention, attention à Gareth Bale. Et là. Eh bien, t'as vu, viens, on en remarque, on y va, on y retourne. C'est ce que j'ai essayé de faire, mais... C'est ce que ça fait? Non, il est par jeu, il est par jeu, il est par jeu. Tout vu ça, genre là, le gardien qui dégage droit devant, tu sais. C'est un ballon très travaillé avec une trajectoire qui ne laisse aucune chance à l'arrière. Un buteur a mis suffisamment d'effet en sa frappe, c'est superbe. Il mène à la marque désormais de 2 à 1. Casemiro. Cavani. Et l'arbitre qui laisse l'avantage pour le Real. Ça part bien, action dangereuse. Ah bah on revient à l'avantage aussi là. L'arbitre qui laisse l'avantage au Real, il peut être dangereux là-dessus, Gareth Bale. Corner pour le Real Madrid. Le corner de Toni Kroos, bien frappé. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Casemiro. Cavani. Il peut y avoir. Ah oui, il cherche un parti là-dedans en profondeur. Ah, il était là, Jérôme Boateng, il a dégagé.
Je lui fais peur. Il avance dans le pied. Ah, bien taclé. Le ballon qui n'est pas personne. Rodriguez. Pourquoi tu me piques tous mes joueurs, quoi? Tous les joueurs que je peux prendre, tu les prends. Trop vite quoi. Oui, bien taclé, mais ce n'est pas fini. Ouais, il a pris sa chance de loin sur cette frappe. Et on s'est pas très bien joué. Ah bah quand même, ça fait le carton jaune, il était attendu. Sergio Ramos, un défenseur qui s'est aussi marqué des buts de temps en temps. Ouais, c'est vrai, il a un super jeu de tête, notamment sur les coups de pied arrêtés. Il redonne à Ribéry. Carvajal. Rafael Varane. Toni Kroos. Arturo Vidal. Kimmich. Allez, le Bayern qui part à l'assaut du but adverse. Ouais, peut-être un changement de possession après ce tacle. C'est Ribéry hein, qui va effectuer la remise en jeu. Il cherchera Ramos Rodriguez. Bayern. Le gardien qui va sortir. Ouais, ça tourne bien lui. Attention à la frappe. Le gardien qui s'avance vers la surface et il est dépossédé du ballon. Franck Ribéry. Franck Ribéry qui adore créer le danger sur son côté gauche. Ouais, c'est sa marque de fabrique. Provoquer les défenseurs et ensuite délivrer des centres minimum. Ouais, mais. Des centres en retrait quasiment tout cuit pour l'attaquant. Bye. Les 30 derniers mètres. Ils ont cru que t'allais me la mettre, tu sais. Ça lui met dans la... Ça leur met dans la tête, ça. Et avant la mi-temps. Ça leur casse le moral, ça. Non, 4. On a remonté hier là-haut. Collègue. Et là, on va aller en division 3 normalement. Voilà, retour à l'Allianz Arena pour le coup d'envoi de la seconde période. Arjen Robben. Le Bayern de Munich à l'attaque. Et voilà, il s'est fait déporter sur le côté et il sort en touche. James Rodriguez. Ouais, il rassure toute son équipe avec ce tacle. La passe levée à destination de Gareth Bale. Il peut être dangereux là-dessus, Gareth Bale.
Thiago Alcantara. Que diriez-vous sur la prestation au cours de cette première période? C'est un doublé qui a eu son importance dans cette première période, ce n'est pas le match en main désormais. Cherche bien joué dans l'intervalle. Toni Kroos, c'est bien vu. Hein. Allez, voilà. Ribéry. Lewandowski. Là, il est vigilant. Il protège bien son ballon. Il n'y a rien à dire. Modric. Arturo Vidal. Le Chilien Arturo Vidal. Arrivé en Europe à l'âge de 20 ans, hein, Pierre. Oui, au Bayer Leverkusen, pour être précis, où il s'est très très bien acclimaté, où il disputera 5 belles saisons. Modric. Marcelo. Le Real Madrid qui s'approche du but. Et c'est un corner à l'arbitre. Ils sont 3 ou je rêve? Sur la prestation de Gareth Bale. Bon match, hein, Pierre, hein, du Gallois. Gareth Bale. Oh, le gardien qui est sur ce ballon, sans problème. Alors, le ballon est perdu. Toni Kroos qui continue. Un but de Real Madrid. Ah, il est pas dans un bon jeu, le gardien. Ouais, ça continue. Plusieurs erreurs tout de même, là, qui s'accumulent. La mission commence à être très chère. Oui, ils vont quitter, bravo. C'est ce qu'il veut aller faire. On fait des matchs faciles là quand même. Bon bah division 4 devait bientôt division 3. On fait que des victoires, 5 victoires depuis tout à l'heure. Ah, c'est bon, je suis là. On a fait 5 victoires, une défaite. Ouais, le seul match qu'on a perdu, c'est contre la Juventus, quoi. On a un beau palmarès, hein. On a 14 victoires pour 9 défaites. Ouais. Bah oui.
À moins qu'il n'y ait plus personne qui veut jouer avec nous. Oui aussi, oui. Voilà. Cette équipe, on le sait, elle montera la saison prochaine, mais elle peut encore aller chercher le titre. Oui, Hervé, pour cela, il faut faire au moins un match nul dans cette rencontre. Vraiment, c'est assez simple. Le coup d'envoi va être donné par... On va essayer de le gagner quand même. On va pas faire qu'un match nul. Alors, tout le monde ne parle que de ce match depuis deux jours. Ça y est, on y est. Oh, ça fait. Le match vient de commencer. Alors, pas de carton. L'arbitre reste calme. Raphaël Varane. Casemiro, Karim Benzema, on s'approche de la zone de vérité, là, le ballon qui est perdu, il va s'appuyer sur son gardien, repasser en retrait, l'interception de Carvajal, Benzema, Cristiano Ronaldo, oh genre. Ouais, ils ont disparu. Ouais. J'ai bugué. Ah ouais, ça c'est bien sur l'aile. Marco Asensio touche en faveur. Oh non. Raphaël Varane. Cristiano Ronaldo. Non, la défense va être sauvée car il y a un hors-jeu signalé par l'assistant. Oui, non. Cristiano Ronaldo. Il peut y avoir danger sur cette attaque des joueurs du Real. Karim Benzema. Ouais, bien pris la défense. Real Madrid, on les appelle les meringues. Vous aimez les meringues, je crois, Pierre. Oui, j'adore ça. Alors là, pour le coup, c'est vrai, j'adore ça, les meringues. Voilà, comment faire techniquement tactique et technique qui va énormément apporter à nos amis joueurs. Ah, il parvient à stopper cette offensive. Gareth Bale. Il a tout soufflé de l'arbitre pour cette faute. But. Oh, genre. Marcelo. Ah, il va trouver Cristiano Ronaldo. Attention, parce que la menace est toujours là. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire. Il était derrière en plus. Ah, c'est pas fini. Et si jamais il l'a fait derrière. Magnifique passe là de Modric. Attention, l'occasion pour Cristiano Ronaldo. Ouais, il donne de l'air à son équipe. La passe est interceptée. Il continue bas le pied, Ronaldo. Ah, le tacle glissé. Marcelo. On va peut-être assister à une contre-attaque. Marco Asensio. Et la remontée du terrain qui se poursuit. Casemiro. Benzema. Karim Benzema qui au fur. Ah oui, la passe de Bale, bien vu. Allez, Ronaldo, il peut marquer. Oh, genre quoi. C'est le titre de champion, est en train de leur échapper. C'est vrai qu'il reste encore du temps pour revenir. C'est aussi une défaite. On ne condamnerait pas pour le titre. Mais je pense que l'entraîneur aimerait qu'on en finisse au plus vite. Hein. S'ils peuvent prendre ce point aujourd'hui, ils ne s'en prendraient pas. Un ballon qui a filé juste sous la barre. Comme le gardien, c'est vraiment ajusté au millimètre. Et les voilà donc avec une avance de 2 buts maintenant. Le Real Madrid qui s'approche du but. Ronaldo. Oh putain! Juste au-dessus.
assez bien joué, hein. Il faut savoir résister à la pression de l'adversaire. Kroos. Toujours Karim Benzema. Intervention défensive pleine de classe, hein. Dans la surface, il faut oser. Cristiano Ronaldo qui s'enfonce. Le ballon qui est perdu. Benzema. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque. Voyons voir. Il continue, Cristiano Ronaldo. La frappe de Cristiano Ronaldo. Un corner. Le corner de Toni Kroos, bien frappé. Attention à la frappe. Ouais, pas à l'aise. Il n'a pas été à l'aise sur cette frappe, en tout cas. C'est ce qui arrive quand on n'est pas sur son bon pied. Cristiano Ronaldo. Vu comme ils me la reprennent, quoi. Karim Benzema. Karim Benzema qui s'est révélé à l'Olympique Lyonnais, bien sûr, avant de filer au Real. Oui, c'est là que ses talents de buteur lui ont permis d'être sacré champion de France 4 ans de suite, de 2005 à 2008. L'arbitre qui laisse l'avantage au Real. Carvajal. Casemiro. Et le Real qui pour l'instant doit se contenter d'un 0-0 alors que la pause n'est plus très loin. Isco, ouais, elle est belle cette passe en profondeur. Modric. Gareth Bale. Ouais, hors-jeu. Hors-jeu parti trop vite, trop tôt, Cristiano Ronaldo. Bon. On va arrêter de jouer comme des crétins. S'avance vers la surface. Sergio Ramos. Sergio Ramos, l'un des tout meilleurs défenseurs espagnols de sa génération. Ouais. C'est très dur de le prendre à défaut en 1 contre 1. Bon, parfois il emploie des méthodes un petit peu limites, mais c'est quand même un truc. Ah oui, c'est bien fait ça. Oh, l'occasion peut-être pour Gareth Bale. Et c'est la marque en pouce, ce n'est pas terminé. Oh, mais genre, ils reprennent toutes les balles, quoi. Aujourd'hui, Real qui conforte un peu plus encore leur avance au score. Puis c'est pas tout à fait le genre de la maison de laisser filer un match. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. Je sais pas ce qu'il trouve un joueur de foot adverse. Marcelo. Marco Asensio. Un bon ballon d'attaque. Attention à Gareth Bale. Oh, le voilà! Un petit peu de la sonne, la frappe. Hein. Pas suffisamment appuyé pour prendre le gardien à défaut. C'est un peu de se compenser. Et finalement, si. Voilà, on revient ce but. Un peu de finesse et de précision. Ça fait du bien quand j'entends aussi. Avec ce nouveau but, ça nous fait donc 3-1 maintenant. Un bon tacle de personne pour reprendre ce ballon. Toni Kroos. Casemiro. Benzema. Allez, le tir de Karim Benzema. Genre. Ah, ils ont cheaté leur jeu, quoi. C'est la mi-temps, mais on connaît déjà le résultat final, le vainqueur en tout cas de ce match. Et l'arbitre.
n'y a pas eu de match hein, dans les 45 premières minutes. Espérons que l'équipe arrive à refaire surface. Voilà, on utilise tout à l'heure du terrain, c'est bien joué. Ça part bien, action dangereuse. Benzema. Mais genre, on était pas sort ou quoi? Tourne à leur avantage. Ça va être difficile hein, quand même pour les joueurs de voir un public aussi éteint dans les tribunes. Ouais, très difficile même. Enfin bon, techniquement ils sont dominés, moralement c'est guère mieux. Le match est en train tranquillement. Mais putain. Cristiano Ronaldo. Ah, toi t'en as fauché deux, moi j'en ai fauché qu'un. Ouais, c'est pas bien ce qu'il a fait dans le joueur du Real. Oui, il le fait qu'il va prendre un petit carton jaune. Je sais pas ce qu'il a voulu faire, mais c'est n'importe quoi, c'est complètement manqué. Ah ouais, la moindre des choses quand on tire un coup franc, c'est d'y croire un minimum quand même. Benzema, ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Et ce ballon qui est perdu. La frappe. Ouais, tu fais que de la merde. On fait que de la merde là depuis tout à l'heure. On fait aucune passe, on fait même pas un ballon. Ah, par contre, devant chez nous, ça existe. Hein. Ouais, il n'en revient pas justement parce qu'il s'était pas mal pris du tout. Dommage. Le Real Madrid qui s'approche du but. Allez, peut-être une belle occasion pour Benzema. Ouais, mais non, mais. Ouais, ils ont cheaté leur jeu, c'est pas possible. Merde. Oh, Cristiano Ronaldo, la classe. Ah, un bon ballon d'attaque. Oh, cette faute qui va donner lieu à un coup franc extrêmement dangereux. L'entraîneur qui le fait sortir. C'est qu'il n'a pas vraiment été à la hauteur dans ce match. On sent de la déception chez Lyon. Ce ballon qui n'est pas passé loin. Oui, on savait que c'était dangereux. Gardien peut souffler. Là, il a laissé sur place avec son geste. Bonjour, merci, au revoir. Ouais, il rassure toute son équipe avec ce tacle. Voilà. Mais non. L'arbitre qui accorde donc un coup franc au joueur du Real. Kroos. Karim Benzema. Bale, attention à Gareth Bale. Ah ouais, mais non, c'est pas possible. Faut que ça se finisse là. Ah bah y'a personne sur le live hein. Ah, y'a personne là. Vous voyez qu'on perd. Non, je rigole. Parfois ça donne des frappes complètement dévissées, mais quand ça donne ça, et ben mon petit carré, ça s'appelle un chef d'œuvre. Ah, le match 4. Eh mais genre mais. C'est pas possible. Qui s'enfonce.
Et bien l'intervention, changement de possession. Ouais, la magnifique passe là de Modric. Ouais, il va repasser par son gardien. Cette offensive, voilà, ça c'est une récupération sans effort pour l'adversaire. Bon, le défenseur intervient au dernier moment. Elle a été magnifique celle-là. Bale. Interception. Allez, qu'est-ce qu'il va en faire? L'attaque enrayée. Casemiro. Modric. Oui, tu te mets devant moi, quoi. T'es sérieux, t'es avec nous, quoi. Tu les connais? Un public qui siffle cette passe en retrait vers le gardien. Ah, mais voilà pas comment tu leur fais des passes, quoi. C'est cadeau, quoi. Je t'ai fait une passe à l'autre bout, t'es devant moi, quoi. Casemiro. L'arbitre qui siffle un coup franc sur cette faute de Sergio Ramos. Ouais, t'es avec eux, tu les connais, pas possible. Oh, l'occasion manquée, oh, incroyable. Oui, là c'est plus de la maladresse ou de la panique qu'autre chose. Normalement, à ce niveau-là, ça doit aller au fond. Benzema, Kroos, bien joué dans l'intervalle, Toni Kroos, c'est bien vu. Hein. Allez, peut-être une belle occasion. Oui, genre, le gardien. Qu'est-ce qu'il fait le gardien? Franchement. Il semble prendre un avantage quasi décisif. Il ne reste plus que 9 minutes à jouer dans cette partie. Ouais, c'est le grand désert devant Marcelo qui va pouvoir s'engouffrer. Matteo Kovacic. Le ballon est sorti. Hein. Le gardien va pouvoir se. Ah, mais tu les connais, c'est obligé. Cristiano Ronaldo qui fait un. Ah, ça me saoule ça. On fait aucune passe, quoi. Bien, non, enfin bon, sans confiance, donc à partir de là, tente beaucoup et en plus avec une certaine réussite, on l'a vu. Il ne reste plus beaucoup de temps, c'est une faute. On renverse le jeu. Il continue bas le pied, Ronaldo. Bonjour. Qui renvoie sans se poser de questions. Ah non, c'est pas bien fait ça. La frappe de Cristiano Ronaldo. Ouais, bah pour ramener 8 buts. Quelle démonstration de cette équipe, c'est vraiment impressionnant. Un but qui ne changera pas l'issue de ce match. Enfin bon, il a bien été existé. C'est trop tard pour eux, mais enfin, c'est toujours bien de pouvoir marquer, même quand on est largement dominé. Ça évite le naufrage absolu. Cristiano. On va jouer 3 minutes de plus. Raphaël Varane. Non, mais je comprends rien. Genre, c'est eux qu'on tout, qu'on les balle et tout. Non, mais c'est bon, quoi. Le ballon en retrait. On a compris, quoi. C'est eux qui doivent gagner, c'est tout. Bien s'appliquer sur ce corner. Il est bien parti ce corner. Ouais, la belle parade. La belle parade, il éloigne le danger avec un incroyable arrêt réflexe. Ouais, l'adversaire était à bout portant, mais c'est lui qui a eu le dernier. Benzé.
Le temps que tu relances, je vais aller fumer vite fait. Non. Vas-y, vas-y. Voilà. Vas-y, attends. À tout de suite.
Vas-y, lance. Ouais. Ouais. C'est pas grave. Ça arrive. Voilà ce qui encore pour décrocher le titre. Sans compter qu'il lui reste plusieurs matchs pour remplir cette ouais, je crois. Pour y apparaître la composition du Real Madrid. L'entraîneur a opté pour un 4-3-3 dans cette rencontre. Ouais, on le découvre même en ce moment à l'image. Pour y apparaître la composition du Real Madrid. L'entraîneur Cristiano Ronaldo pour tenter d'exploiter ce ballon. Il a touché à la conclusion et le gardien qui se saisit du ballon finalement. Il était bien placé, mais c'est quand même pas ça qui a fait déjouer l'adversaire. À cette distance, Hervé, ça doit faire but. Ouais, il peut être dangereux là-dessus, Gareth Bale. Ah, trop mal dosé cette passe pour être efficace. Oh, le but, l'ouverture du score. L'ouverture du score déjà. Ah, ça n'aura pas traîné. Voilà une équipe qui a l'air le buteur qui s'est retrouvé dans une position idéale. Je crois que c'est le même que tout à l'heure. Il ne peut rien faire à cette distance. C'est le Real Madrid qui prend la tête. Luka Modric. Modric. Il paye pas de mine, hein. Il ressemble pas à grand chose, mais c'est vraiment un joueur exceptionnel. Pas très grand. Merde. Pas super beau gosse. Mais alors, quand il a le ballon dans les pieds, c'est un régal. Ballon perdu. Oh. J'ai essayé de te relancer et ça n'a pas marché. Le Real Madrid qui s'approche du but. Ah bon, tac, il n'y a plus le ballon. Et c'est Varane qui renvoie sans se poser de questions. Il lui donne ce ballon de la tête. Bale, ça c'est un bon ballon. Allez, allez, Ronaldo, il peut marquer sur ce ballon. Plus de garde. 2-0, pas le temps de niaiser, nous. Marcelo. Modric. Merde. Déception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont faire? Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Il tacle. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque, on va voir. Un ballon donné en cloche. Attention, attention, l'occasion pour Cristiano Ronaldo. Oh, quel but magnifique! D'abord, il y a cette belle circulation de balle. Après, le buteur est parfaitement lancé. Ils ont demandé la pause, ils vont quitter. Je pense, ouais. Alors soit ils font des... Non, non, vas-y, t'es en train de parler. Peut-être. Vous avez gagné 5 victoires, c'est bon. Bon, genre, ça passe pas, ça. Ouais, c'est pas bien ce qu'il a fait, là, le joueur du Real. Oui, il le fait.
Français qui va prendre un petit carton jaune. Toni Kroos, contrôlé. Casemiro. Real Madrid qui obtient un coup franc. Luka Modric. Kroos. Ah merde. Ouais, la passe en retrait pour le gardien. Ouais, ça pousse. Ah ouais, l'énorme parade du gardien. Ah, il est belle, le gardien a réagi à une vitesse supersonique, il fallait le faire. Gareth Bale sur le côté, personne devant lui. Ouais, l'attaque est enrayée. Il peut y avoir danger et sur cette attaque des joueurs du Real. Il tacle. Alors le ballon est perdu. Interception de Carvajal. Ouais, bonne sortie, les gars. Désolé. Ouais, ouais, fallait y aller sur ce ballon. Hein. Ouais, la passe n'arrive pas à destination. Mais genre, tu l'as fait quoi. Casemiro. Benzema. Bye. Modric. Casemiro. Cristiano Ronaldo. Karim Benzema. Bien joué dans l'intervalle. Toni Kroos, c'est bien vu. Hein. Et le but, la réduction du score pour cette équipe. Mais le retard qui reste. Fais pas assez de passes, mon garçon. Ouais. Je t'ai demandé tout de suite en plus. Le joueur, il a appuyé sur A comme un dingue. Ah, il faut bien que je tente ma chance. J'étais devant le but. Toni Kroos. C'est finalement récupéré par le Real. Karim Benzema. Cristiano Ronaldo. Luka Modric. Luka Modric. Des qualités exceptionnelles hein, chez ce milieu de terrain. C'est vraiment le milieu comme on les aime, le joueur technique, polyvalent. C'est un de mes joueurs préférés, exceptionnel de l'extérieur du pied, d'une grande clairvoyance. C'est un joueur sublime et très sous-coté à mon sens. Non, elle a été interceptée cette passe. Théo Hernandez. Oh, cette faute qui va donner lieu à un coup franc extrêmement dangereux. Ce sera donc un coup franc suite à cette intervention. Excès d'engagement pour l'arbitre, ça fera donc coup franc. Oh, le bon ballon pour Modric. Oh, ça passe juste au-dessus. Pas très bien joué cette tête. Hein. Même franchement nul. Interception. Allez, qu'est-ce qu'il va en faire? Rafael Varane. Théo Hernandez. Il était sur la trajectoire, Casemiro. Il a récupéré. Toni Kroos. Bien joué dans l'intervalle. Attention, attention, l'occasion pour Cristiano Ronaldo. Oh, le tir qui vient raser le montant. Ouais. Concentré, concentré. Faut pas faire de conneries. Le Real Madrid qui s'approche du but. Ouais, bon timing défensif hein, sur ce tacle. Théo Hernandez. Karim Benzema. Sergio Ramos s'éloigne le danger.
Ah, puis j'aime pas les gens, ils prennent leur temps. Allez, c'est parti, la seconde période de ce match ici à Santiago Bernabéu. Carvajal. Benzema. Oh là, il a récupéré le ballon, c'était chaud là. Gareth Bale. Coincé derrière, qui reste de touche. Carvajal. Donne sur l'aile à Bale. Modric. Bale. Kroos. Merde. Oh là là, de justesse, il a repris le ballon. Théo Hernandez. On s'approche du but. Benzema qui remporte son duel. Marcelo. Il était bien placé pour intercepter cette passe. Luka Modric, la frappe. Un magnifique plongeon sur ce ballon qui était difficile à négocier. Et ce sera un corner à venir. Il est bien parti. Sergio Ramos, ballon capté par le gardien. N'arrive pas à destination. Oui, genre. Marcelo, il y a danger, attention. Un trop appuyé, le gardien va se saisir du ballon. La passe est interceptée. Il y a beaucoup à jouer sur ce contre. Bale. Oh, tout le monde retient son souffle parce qu'il a déjà été averti. Il a été sur la trajectoire Casemiro. Il a récupéré. Ouais, joli, le 1-2. La chevauchée de Ramos qui continue. Qui continue. Peut-être une occasion pour le Real Madrid. Oh, le penalty. Penalty pour le Real Madrid. Sifflé à l'instant par l'arbitre. Quoi? Allez, gardien. Oui. Respirer, hein, leurs adversaires, ça c'est bien vu. Bale, le gardien qui repousse, attention. Mais merde, hein. Alors, le ballon est perdu. Il peut y avoir danger sur cette attaque des joueurs du Real. Bonjour. Bonsoir, bienvenue sur le chat. Tu vas parler sur le chat, le follow.
but magnifique, on le revoit sur ce ralenti. Le joueur a su faire preuve de lucidité au moment de sa frappe. Un petit but qui est laissé par les orbes, le score est de 3-2. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Marcelo. Le Real Madrid qui s'approche du but. La frappe de Cristiano Ronaldo. Un corner, allez, pour creuser l'écart dans cette rencontre, pourquoi pas. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. Alors, oh putain. Ça passe complètement à l'adversaire direct. Ah, il a un trophée, la talonnade est interceptée. Attention, attention à Gareth Bale. Ah, ça passe loin, très loin du terrain. Dernière minute du temps réglementaire. Isco. Il pense qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Il s'avance vers la surface. Bon tacle, mais ce n'est pas fini. Mateo Kovacic. Gareth Bale toujours, donne dans l'axe, attention. Oh, il y a... Ah, bien sûr, cette égalisation, elle ne fait pas plaisir à l'entraîneur. Il préférerait ne pas attendre la fin de saison pour apporter le titre. Il sait donc que ces joueurs ne doivent surtout pas prendre un autre but maintenant. Ce serait terrible. C'est un match extrêmement serré, cette égalisation nous le prouve. Ah, le temps qui passe, les buts qui continuent de tomber. Un but d'avance à quelques minutes de la fin du match, alors que on rappelle le but suffisait pour leur assurer le titre. Ouais, sauf que Trafalgar, on l'a compris, ils sont champions dans quelques minutes. Sadio Ramos, Karim Benzema, Mateo Kovacic. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Pas trop fort, désolé. Pourquoi pas dangereuse pour le Real Madrid. Il parvient à stopper cette offensive. Cristiano Ronaldo qui intercepte la passe. Oh, c'est un adversaire. Oh putain. Vous pouvez pas la faire là, moi. Il me fait chier. Tu vas coucher. Le temps additionnel décompté 3 minutes de temps supplémentaire. Casemiro. Bale, le Real Madrid qui va tout donner sur ce ballon pour tenter de l'emporter dans cette fin de match. Cristiano Ronaldo, elle a même pas son profondeur bien vu. Ouais, bien joué Cristiano Ronaldo qui est tout seul. Des joueurs avec ce but, ils savent qu'ils ont fait un grand pas vers le titre. Ouais, alors que la saison n'est même pas terminée. Hein. C'est sûrement le but décisif, hein, celui de la victoire. Ça en a tous les atours, mon petit Hervé. Quand on prend l'avantage comme ça dans les arrêts de jeu, bah, on a tout droit. Et voilà les 3 coups de sifflet de l'arbitre. Ouais. C'est fini. Enfin. On perd pas, nous, on gagne. Bon, bah, division 3.
Ah, même pas, on est passé en division 3, ouais, c'est ça, en division 3. Le centre était beau aussi, on va dire, pour le dernier but. Et puis, je la mets tout. Il y avait Clug, il fallait que je la mette. Non, non. De cette première journée. Alors c'est quoi l'objectif dans ces cas-là? Le premier objectif à mon sens, c'est de ne pas se sous-estimer en regardant jouer l'adversaire. Ils ont acquis la montée au terme d'une belle saison, on sait que leur place est ici, c'est à eux de prendre leur chance. Vous voyez apparaître la proposition du Real Madrid. Alors sans surprise, l'équipe va évoluer en 4-3-3. Un dispositif qui demande de gros efforts aux ailiers. Faut être sûr si on veut bien. On n'a pas triché, toi. Ou en diamant, comme disaient les Anglais, qui ont plus d'argent. L'entraîneur confie donc les clés de l'animation offensive à son milieu offensif axial. Merde. Il peut y avoir danger sur cette attaque des joueurs du Real. Attention, attention, l'occasion pour Cristiano Ronaldo. Oh le but, l'ouverture du score. Eh bien, on n'aura pas attendu très longtemps pour voir ce premier but. C'est sûr, mais à mon avis, il va entraîner quelques ajustements tactiques de part et d'autre. Ça, c'est de ma faute. Un but magnifique, on le revoit sur ce ralenti. Ouais, on voit que le joueur a su faire preuve de lucidité au moment de sa frappe. Le Real Madrid qui a pris l'avantage au tableau d'affichage. Ah, la passe n'arrive pas à destination. Les 30 derniers mètres. Bale. Ouais, bon tacle, il lui a pris le ballon. Un but très bon de la meringue. Marcelo, Modric, Casemiro, Carvajal. Allez, touche, pourquoi pas dangereuse pour le Real Madrid. Modric, il va y aller. Et en égalisation. Eh bien voilà une équipe qui n'aura pas couru longtemps au score. Non, elle a réagi vite et bien cette équipe et puis ça nous fait du spectacle, c'est chouette. Un but partout, les deux équipes dos à dos. Ouais, faute, estime l'arbitre. Cristiano Ronaldo, au poteau, et encore un but, un deuxième but. Le Real Madrid est mené. Modric, Benzema, le Real Madrid qui s'approche du but. Ouais, il rassure toute son équipe avec ce tacle. Oh putain. Le ballon levé par-dessus pour essayer d'alerter Cristiano Ronaldo. Benzema. Théo Hernandez. Garrett. Ah oui, la passe de Bale, bien vu. Cristiano Ronaldo pour tenter d'exploiter ce ballon. La passe est interceptée.
Cristiano Ronaldo. Attention, Cristiano Ronaldo, parce que dans cette position, il arrive très souvent de marquer. De la tête, bien joué. Voilà, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire hein, qui récupère. Il peut marquer sur ce ballon. Le gardien, c'est pas fini. Est-ce qu'il va prendre un avertissement? Ouais, ça fait deux fois qu'il fait la faute, lui. Merde. Il peut aller au bout. Karim Benzema. Oh, bah heureusement. Le même résultat que tout à l'heure, tu sais. On a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé, même si ce sera dur. Et comme on pouvait s'y attendre, c'est l'équipe qui joue le plus, qui produit le plus de jeux, qui marque. Oui, voilà, on sent une équipe qui veut faire circuler le ballon, des joueurs disponibles, ça paye et les efforts sont enfin récompensés. Cavaral. C'est bien repris par CR7. Ah non, c'est pas bien fait ça. Modric. Mais ouais mon gars, faut être là présent, faut répondre présent ici. Il peut y avoir danger sur cette attaque des joueurs du Real. Gardien qui dégage sous corps de deux points sur ce centre. Et c'est le grand désert devant Marcelo qui va pouvoir s'engouffrer. Luka Modric. Le centre qui a vu ses coéquipiers. Ouais, c'est dégagé et ce sera un corner. Cristiano Ronaldo qui fait une grosse prestation aujourd'hui, une fois de plus. Encore une fois, les statistiques personnelles de CR7 sont très bonnes. Non. De nombreuses occasions, il sollicite beaucoup le gardien de but, comme on le voit sur ce stat. Accrédité d'un bon match jusqu'ici, et en plus, il a marqué. Le dégagement pour éloigner le danger. Modric. Modric. Et l'arbitre qui laisse l'avantage pour le Real. Toni Kroos. L'avantage pour le Real Madrid, ça joue. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Et le gardien qui va essayer de s'interposer. Ah, la défense qui a du mal. Ouais, il n'a pas eu le temps de crocheter le gardien. Hein. Oui, il a fait le choix de sortir très vite, c'est parfait. Cristiano Ronaldo pour tenter d'exploiter ce ballon. Et c'est un but de Cristiano Ronaldo. Un petit but qui se sépare désormais le score de 3-2. Marcelo. Ouais, la bonne transversale. Ça part bien dans l'action dangereuse. Oh, le danger, la pointe Toni Kroos. Un superbe geste. Mais non, mais tu me l'as fait là où je veux pas, quoi. Karim Benzema. Le ballon qui change de position. Non, elle a été interceptée, cette passe. Ouais, ouais. Ouais, la jolie passe arrière pour Cristiano Ronaldo. Cavaral. Allez, on a vu que...
Allez, c'est parti. La seconde période de ce match ici à Santiago Bernabéu. Carvajal. Les 30 derniers mètres. Kroos. On tente, mais ce n'est pas fini. Marcelo. Benzema. Toni Kroos. Oh, quel réflexe! Oh, quelle parade! Magnifique! C'était pas évident à cette distance. Le corner de Toni Kroos, bien frappé. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Attention, il y a plutôt le gardien. Et un bon coup à jouer là. Ça c'est un bon ballon. Ça c'est un bon ballon. Attention, attention, l'occasion pour Cristiano Ronaldo. Ok, dans Navas qui était bien placé, pas de problème. Un coup franc contre le Real. L'arbitre appelle le joueur du Real. J'ai shooté hein, dans le butin. Peut-être une situation intéressante là. Le centre est pour Benzema. Théo Hernandez. Luka Modric. Hors jeu signalé. La défense qui s'est fait une petite frayeur peut-être. C'était pas. C'était limite, hein. Sur l'aile à Bale. Isco. Oh, il y a du monde autour de lui. Allez, il faut qu'il fasse le bon choix. Ah, le bon ballon de Benzema. Oh, il y a marque. Ah, oh, c'est pas vrai. C'est pas bien de louper des blocages comme ça, surtout à ce moment du match. Il y a moi qui lui remets un coup derrière, tu sais. On a atteint l'heure de jeu. Attention, ça peut être dangereux. Qu'est-ce qu'il trouve? Oh, ballon de but là pour Karim Benzema. Oh, joueur. Bon, bah, finalement, ce sera plus compliqué que prévu. On a le début des quarts. Cette équipe n'a pas baissé les bras. Et voilà, égalité au score. C'est une égalisation qui remet tous les compteurs à zéro. Et voilà, les deux équipes qui se retrouvent encore au coude à coude. Marcelo. Ouais, ça, c'est bien sur l'aile. Le ballon levé pour Cristiano Ronaldo. Isco. Casemiro. Benzema. Isco. Et celui qui sera refusé. Hors jeu. Était bien placé pour intercepter cette passe. Ouais, il y a faute. C'est Bailly hein, qui sort. C'est dégagé, grand soulagement du gardien. Benzema à la frappe. La frappe contrée par le défenseur. Il y a peut-être moyen de placer un contre. Attention. Oh putain. Intercepté par Raphaël Varane. Ronaldo. Voilà, passe complètement manqué. C'est cadeau.
Benzema. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Cristiano Ronaldo. Ah oui, le tir. Il reste sur ce score de parité. Marcelo. Oui, non. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire. Cristiano Ronaldo. Je ne sais pas si vous avez vu les statistiques de Cristiano Ronaldo. Elles sont tout simplement hallucinantes, Pierre. Oui, on peut même dire qu'il banalise l'hallucinant. Parce que... Bale. Dans sa tête, qu'est-ce que c'est mal exploité. La trajectoire est mal jugée, le ballon est mal pris. Ça lui échappe. Tout est foiré. Avantage pour le Real Madrid. Ça joue. Cristiano Ronaldo qui s'enfonce. Un tir lointain. Ah, dommage. On a eu l'occasion vraiment de prendre l'avantage. Rafael Varane. Oui. Complètement. Trop de précipitation, c'est dommage. C'est quand même un ballon important. Marcelo. Un bon ballon d'attaque. Modric. Ah oui, c'est bien fait ça. Isco. Je pense qu'il peut faire quelque chose. Un pas de fioriture, du jeu direct, efficace et c'est tout fait. Ouais, c'est bien beau les bah voilà. Ce genre de truc, mais l'essentiel c'est le marqueur. Ah, c'est un but important hein, qui pourrait bien tout changer dans cette rencontre. C'est le Real Madrid qui va mener au score. Karim Benzema. Ronaldo. Un défenseur italien au dernier moment. Lucas Vasquez. On s'approche du but. On va ramener le jeu dans l'axe. On va s'approcher de la ligne. Ah, c'est bien joué. Hein. Il faut savoir résister à la pression de l'adversaire. Le temps réglementaire est terminé. Il y aura 3 minutes en plus. Benzema, attention à lui. Oh, très bon tacle glissé de Sadio Ramos. Rafael Varane. Allez, il faut qu'il fasse preuve de sang-froid parce qu'il n'aura pas de deuxième chance. Mateo Kovacic. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque. Voyons voir. Ouais, c'est le grand désert devant Marcelo qui va pouvoir s'engouffrer. Mateo Kovacic. Oh putain. L'arbitre qui siffle à l'instant même la fin de ce match. Un début de saison rêvé pour cette équipe. Ah, premier but. Il peut y avoir danger sur cette attaque des joueurs du Real. Eh ben. C'est ça. Toujours en division 3. Ouais. On est là, nous. On t'attend. On attend de votre ami.
Il n'y a personne. Toujours personne. Hein. Ouais. Ah mais quand je stream l'après-midi, tu peux y aller. Hein. Ils sont au moins une vingtaine sur le stream là. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais. J'attends. J'arrive, j'arrive. Ah, c'est fait. Ah, une division par soir, c'est bien. Ah, le plus chaud, je pense que c'est la division 1, je pense. Apparaître la composition du Real Madrid. L'entraîneur a choisi d'aligner ses joueurs en 4-4-2 avec un milieu en losange. Ou en diamant, comme disaient les Anglais, qui ont plus d'argent. L'entraîneur confie donc les clés de l'animation offensive à son milieu offensif actuel. Il est un petit peu cerné là. Da Silva. Le défenseur se fait bousculer. Attention, attention à Gareth Bale. Oh, il y est! Oh, le premier but dans cette rencontre! Une rencontre qui démarre. Je vais me faire un câlin. Je fais un dab. Qu'est-ce qu'on peut dire, Pierre, sur ce but qu'on revoit au ralenti, c'est le geste parfait. Oh, il bouge pas. C'est le Real Madrid qui prend la tête.
Thiago Silva. Adrien Rabiot. Ouais, le ballon pour renverser le jeu. Le Real Madrid qui s'approche du but. Au centre de Gareth Bale, bien joué. Le ballon qui navigue toujours en zone. Oh, le bon ballon pour Modric. Oh là 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 là. Je l'ai bien fouetté en plus. L'arbitre estime qu'on est certainement un peu trop tôt dans ce match pour commencer à sévir. Bon, d'accord, c'est faute sur moi, mais bon. Il y avait peut-être une faute, mais le PSG qui bénéficie de l'avantage laissé par l'arbitre. Mbappé, Mbappé en bonne position. Oula, il prend pas assez loin. Ouais, très bien défendu. Marcelo. Ouais, ça peut bien partir en contre, attention. Gareth Bale. Théo Hernandez. Le tir. Ouais, ça passe largement hors du cadre, cette frappe. Genre, il n'y a pas corner là. Cette équipe. Daniel Alves. Ah, est-ce que j'ai l'envolé ? Un malo. Il cherche Di Maria. Oh, il avait intérêt à le récupérer, hein, ce ballon. C'est bien joué. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Allez, peut-être l'amorce. Oh, le bon ballon donné par Cristiano Ronaldo. Attention, ça peut faire mal. Oh non, il gâche un peu cette occasion. Si vous voulez mon avis, il n'a pas choisi un meilleur option. Le jeu, c'était pas là. Mais de la retoucher parce que c'est pas possible. Elle est dedans. Touche en faveur du Real Madrid. Sadio Ramos. La passe lobée, c'est pour Gareth Bale. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Et pourquoi il te la passe pas ? T'enfoiré. Daniel Alves. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. C'est un centre pour Cavani. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Il passe qui trouve un joueur de foot adverse. Une faute indique la lutte, ce sera un coup franc. C'est pas grave, c'est pas grave. Ne le sois pas, ne le sois pas. Da Silva. Daniel Alves. Attention, il a du champ devant lui. André Di Maria. André Di Maria, il n'est pas tout seul. Un ballon perdu, l'adversaire s'est interposé. Carvajal. Sergio Ramos. Ouais, l'arbitre qui a vu. Désolé. C'est pour le PSG, bien sûr. Ah, si, quand même, là. Le dégagement pour éloigner le danger. Il y a une balle de but, là. Oh putain! Oh, tire trop fort! Marco Verratti. Passe qui trouve sur son chemin Cristiano Ronaldo. Allez, allez, Ronaldo, il peut marquer sur ce ballon.
Non, t'étais tout seul. La passe est interceptée. Avantage pour le Real Madrid, ça joue. Et ce ballon qui est perdu. Casava. Il a raison. Il y a beaucoup à jouer sur ce contre. Intercepter cette passe. Attention, Thiago Silva sous pression. Oh oui, dans la surface. Cristiano Ronaldo. Et le but. Le but qui permet à cette équipe de compter deux buts d'avance désormais. Vous pouvez pas attendre la pause, lui, pour l'épicer. Déjà 3 points gratos. Ah, faut que tu me réinvites. Autrement, ça va encore bugger. À moins que. Ah, vas-y, c'est bon. Bon, bah, 2 victoires. Encore plein. Ah, il faut au moins ouais, 15 points quoi. Ah, s'il n'y a personne, moi je vais me coucher après.